Problème. Ce sont euh, les aléas du direct. Donc, comme je disais, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Baptiste, qui est toujours, euh, toujours avec moi. Salut. <laughs> on l'a, refait depuis le début, comme si c'était rien passé. Voilà comme ça. Tout le monde arrive, c'est parfait. Vous dites bonjour, on est on est bien. Comme, vraiment, les gens qui regarderont ça sur YouTube se diront, bah super, il n'y a plus de problème technique, tout se passe bien, euh, tout se passe bien dès le début. Cette semaine, je vais vous parler encore de cinq jeux qui ne sont pas encore sortis auxquels j'ai pu jouer récemment ou non euh, et essayer de vous expliquer pourquoi j'ai bien aimé ou pas. Il y a le petit Les Cinq Royaumes qui va nous arriver chez Grey Games, le petit Chat de Poche qui va nous arriver chez Lumberjacks, le petit Flip Circus qui sort juste la semaine prochaine chez Yellow, un petit jeu à deux, euh, le Roi des Ribots qui est le prochain microgame de chez Matago, et nous parlerons également de Ancient Terrible Things, Le Retour, qui est un jeu qui sortira la semaine prochaine chez Matago. Voilà un petit peu le planning de la journée. On va parler un petit peu, de faire le petit point aussi sur les défis, savoir un peu ce que j'ai fait. Ou non, j'ai pas beaucoup avancé, je vous, je vous spoil rapidement, mais ça va vite, vite s'accélérer euh, du tout. Euh, ah, ça commence déjà à donner un petit peu, un petit peu des, avis, euh, des avis sur le chat. Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de plainte sur le chat, donc a priori, ça a l'air d'aller, les, euh, les, les gens ne râlent pas, donc il n'y a plus de problème technique, tout va bien se passer. On va pouvoir redémarrer. Euh, Qu'est-ce que je voulais euh, vous dire Oui sur la chaîne YouTube, il n'y a pas eu de truc de sortie récemment, à part le top 10 des jeux de 2023. Vous ne l'avez peut-être pas, peut pas encore vu, vous pouvez toujours y aller. Toujours une vidéo qui dure 2h30. Les retours sont excellents, il y a plus de 40 000 vues sur la vidéo. Enfin, les retours sont au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Genre, vraiment, tout le monde est, euh, est plutôt, plutôt très content. Euh, je ne sais pas toi ce que t'en dis, euh, Baptiste, euh, de, de ça. Je te prends sur le fait, alors que tu es en train de taper sur le clavier, donc tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas activer ton micro pour l'instant. J'ai envoyé le, le lien. Oui, j'ai envoyé la vidéo. Bah oui, non, non, bien sûr, c'est très bien. On peut le redire. Oui, non, c'est un, un super format. Ouais, ouais. pas, moi, je trouve que c'est très bien et qu'il n'y avait pas besoin de faire un truc extrêmement compliqué pour, pour faire quelque chose de bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est peut-être aussi des fois vers, vers ce, ce, ce vers quoi on se dirigera. On verra peut-être au moment de Cannes essayer de faire une vidéo aussi un peu, un peu posée pour voir un peu pour parler un petit peu justement de ce qu'on avait pu voir à ce moment-là. Flavien, évidemment, qui nous dit qu'on est, euh, <laughs> qu est des petits joueurs et des petites joueuses, vu que euh, lui a sorti son bilan de 2023. Il a fait une vidéo de 6 heures. <laughs> il a parlé de tous les jeux. Donc, au moins, on a, on a sélectionné ceux qu'on avait, euh, qu avait préférés. Euh, ouais, et du coup, d'ailleurs, pour Cannes, il va y avoir des, des petits projets. Normalement, il va y avoir des petites vidéos. Il y a un truc, normalement, qui devrait sortir. Euh, Bon vous verrez, ce que ça, vous verrez ce que ça va donner, mais nous-mêmes on n'est pas, pas sûr de ce qu'on va, qu va, qu va faire. Mais en tout cas, euh, on est un peu hypé par l'idée par du truc. Euh, Qu'est-ce que je vois Une vidéo spéciale sur Wirm Span. Potentiellement, Simon a un, un projet en tête, il verra, euh, selon ce qu'il a à en dire ou pas. Il a fait une story cette nuit justement pour en parler, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça. On va prendre le temps d'en de, faire pas mal de parties justement pour pas avoir un retour. Euh, un retour euh, pas cohérent, ou enfin, du moins pas pertinent. Pareil, j'en ai, ai fait une partie. Je ne vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, euh, parce que bah, ce ne serait pas forcément euh, pertinent après une partie. D'autant plus que euh, bah, Wingspan, c'est quand même un jeu moi, qui m'a pas mal marqué. J'en ai fait à peu près 70 parties. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. Oui, 70 parties d'un jeu, c'est le maximum que j'ai pu faire d'un jeu. Euh, donc c'est. Je ne sais pas comment, comment vous dire ça. Ce n'est pas, pas beaucoup, je pense, comparé à, comparé à certains et certaines, mais moi, c'est un, un jeu qui m'a quand, euh, quand même pas mal marqué. En termes de vidéo il y en a une qui sort normalement ce dimanche sur la chaîne principale, qui est une vidéo que Baptiste a tournée avec Tony, un peu en mode canapé, qui est en gros un, un top 10 des jeux narratifs, des jeux à histoire que vous avez, avez préférés. Ouais, c'est ça, complètement. C'est le top 10 de nos jeux narratifs préférés, ouais. en mode un peu plus détente, discussion, canapé, avec quand même une sélection de 10, 9, 8. Mmh. Exercice euh, pas si simple de classer des, de classer des jeux. Ah ils mais... sont classés d'accord. J'avais pas ce temps. Oui, Je pensais oui, c'était une si... sélection. Okay. Non non c'est pas une sélection c'est un top 10, il y a le, le, le 10e, le neuvième etc mmh. et, euh, et euh, oui oui clairement euh, clairement c'est pour toi alors. <laughs> je pense que tu vas je pense que tu seras d'accord avec nous et, euh, et je suis en plein montage et euh, donc dimanche j'espère ouais. il faudrait parce que je suis pas là la semaine prochaine donc euh, il faudrait mais ouais, euh, oui. je vais faire en sorte que donc normalement, ça sort dimanche. Éventuellement, ce sera un petit peu repoussé. La semaine prochaine, normalement, il y a aussi une autre vidéo qui devrait sortir le dimanche, qui est une vidéo plus personnelle. Euh, Simon vous en parle un peu dans le cette dispo qui sort demain matin, euh, qui sera en gros une vidéo sur euh, les 10 jeux qui ont marqué sa vie. Donc il y a un projet euh, de euh, parler globalement euh, de jeux et de souvenirs de jeux euh, autour de dans des, dans, dans des lieux et dans des, autour de boîtes qui l'ont euh, qui l'ont comment dire qui l'ont marqué tout du long euh, de sa vie de joueur. Je réponds juste à Dring pour dire non, il n'y a pas les jeux d'enquête, il n'y a pas les jeux de rôle parce que sinon ça faisait trop de jeux et c'était trop compliqué de les trier. Mmh. Donc euh, potentiellement il y aura euh, au moins, c'est sûr, une autre vidéo sur les top jeux d'enquête. Top jeux de rôle, on n'est pas suffisamment pertinent, je pense. Mais euh, clairement, il n'y a pas de jeux d'enquête. On n'a volontairement pas mis des jeux d'enquête parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Mmh. Euh, oui, bah, ou alors après, c'est juste qu'il faut. Euh... Encore plus coupé dans le, coupé dans le gras sur, le, sur la sélection à faire, celle où c'est un, un peu plus difficile encore. Euh, si jamais il si y, y a encore plus de jeux plus grands, forcément c'est plus difficile, plus difficile à faire. Dans les, euh, comment dire, dans les espèces de, de nouveautés qu'il y a pu avoir, il y a le compte Instagram qui a été relancé. Euh, il y a Sandy qui a préparé justement des petits posts pour. Euh, alors il y a eu un post déjà un peu avis euh, de Nico sur euh, revolver noir, qui était justement un, un micro-game à deux. Euh, que vous avez peut-être pu voir. Et là, en ce moment, elle est en train de poster un peu tous les jours, si je ne dis pas de bêtises, les top 10 de tout le monde, euh, donc, y donc y compris les gens qui ne sont pas euh, dans la vidéo euh, top 2023. Et même en fait, notre top à nous, je sais que moi, mon, mon top 10 personnel ne sera pas ma sélection que j'avais dans, euh, dans la vidéo du top de 2023. Parce que dans la mesure où il fallait que les jeux rentrent dans des catégories, bah, des fois, moi, j'avais je plusieurs jeux à deux que j'aimais bien, bah, je ne pouvais pas tous les mettre dans le, le loup. Euh, D'ailleurs, oui, mon jeu, mon jeu à deux préféré était, euh, était l'Orcana. En fait, pour les quiz de vidéos. Mon jeu à deux préféré était d'orger de blé. Mais de façon à ce qu'il y ait un peu plus de, de choix et de discussion, on va dire, autour de, autour de la table, on avait en gros des deuxièmes vœux euh, pour en gros remplacer si jamais quelqu'un avait un, avait un doublon. Donc effectivement, il euh, euh, y, y a beaucoup de gens qui disent Ah, je pensais que Sébastien aurait d'Orger de blé en, en top jeu à deux Normalement c'était lui, mais bon, leur cas du coup était juste derrière. Euh, pendant ce temps je vois qu'il y a des, des petits retours sur, le, sur la mise au point justement pour que ça pour que ça revienne, pour que ça revienne de mon côté enfin, qu'on qu me voit un peu plus plutôt que, que voir le fond il règle ça normalement, ça devrait euh, s'améliorer ouais, ah ouais ouais. Hum, hum. ou peut-être que je ne bouge pas assez et que le, le fond a l'air d'être plus attirant que moi d'ailleurs oui dans le fond potentiellement il y a des jeux qui vont apparaître dans la dans la sélection de Baptiste et Tony potentiellement euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus Oui, la semaine prochaine, comme disait Baptiste, il ne sera pas là, euh, mais pour autant, il y aura un live et ce sera justement Tony qui sera à la régie. Donc, ce sera euh, rigolo euh, de changer un peu de, de partenaire. Et euh, Baptiste, toi, tu ne seras pas là pour une bonne raison. Oui, je, je vais voir un monde de jeux. Oh Tu vas aller voir euh, Martin. Euh, je vais voir Martin Auchalier. et Aline. Ouais. Et tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu vas y faire de beau ben, on va parler de, de la saga Flashback, quoi, de, de l'origine, de, des projets futurs, des, euh, et, des projets récents futurs qui vont arriver ouais. euh, cette année, voire euh, plus tard. Ok. Ouais. Donc, c'est euh, quoi C'est le format canapé que vous avez ouais, tourné euh, je, je crois. Ok. Ouais. ouais, je crois. Moi, je pense que c'est le format que je préfère, justement. Je n'ai pas encore écouté là, les, les derniers qui sont, qui sont sortis récemment, mais je trouve que c'est les, les formats les plus intéressants. Enfin, du moins que moi, je, je recherche le plus dans, dans ce qu'ils font, bah, qui sont vraiment des discussions autour du jeu et euh, un peu bah, de plein de personnalités du monde du jeu pour euh, savoir un peu... Euh, savoir un peu ce qui s'y passe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus Et oui, vous allez parler donc de flashback parce que prochainement, dans deux semaines, si je ne si m'abuse, c'est au moment de Cannes, il y a Flashback Lucie qui va sortir, qui est la deuxième boîte de flashback, sur laquelle globalement, tu n'as pas bossé, c'est pas toi qui as fait les scénarios euh, Non. Euh, non, c'est pas moi. Ouais. enfin Moi, j'ai eu un droit de regard, j'ai permis, j'ai fait les scénarios, je les ai bêta testés, je les ai euh, corrigés, les choses comme mmh. ça, mais... Euh, non, c'est Gabriel excuse-moi, qui, euh, qui a fait les scénarios et c'est vraiment très cool. Voilà. Vraiment, c'est un super boulot qu'il a fait. Bah, T'en parleras la semaine prochaine, mais ouais. euh, ce côté un peu euh, de horreur à la chair de poule. Oui, c'est euh, horreur, mais pour enfants d'huit ans. Voilà, ouais. c'est ça c'est l'horreur qui fait pas peur, quoi. Non. Mais qui a un petit côté un petit peu mystérieux. Voilà, un petit peu, un petit peu mystérieux. Le, le premier scénario démarre dans, un, dans une sorte de manoir, quoi, dans une maison un peu ancienne. Alors tout, tout, le, tout le jeu se ah oui, oui. dé, 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 déroule dans le manoir, en fait. C'est le, le, le même manoir à travers le temps. C'est-à-dire que vous allez remonter le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce manoir et hum. qu'est-ce qu'il habite exactement. Ouais, pour l'instant, j'ai fait que le premier scénario, donc je ne trouvais pas pertinent d'en parler maintenant. Donc, je devrais en parler normalement la semaine prochaine. Je pense que j'aurai fini la semaine prochaine. Euh, donc, petit teasing de euh, ce dont on va parler. En plus, Baptiste ne sera pas là, donc je pourrais dire du mal. Non, pour l'instant, il n'y a pas de raison que. que J'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé la première boîte de flashback. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, je n'aimerais pas celle-là. Euh, maintenant, on va pouvoir faire le petit point sur les défis. Le petit point sur les défis. Alors, le défi demain, tu m'as tué. On ne l'a pas encore commencé. Ce soir, euh, Christy vient à la maison et on démarre la campagne. Donc on va pouvoir, euh, la semaine prochaine, vous verrez que la, la jauge a un petit peu avancé. On verra combien on a fait de, de parties d'ici de parties là. Et j'ai refait quelques parties de, de welcome. Donc j'ai un peu avancé sur la feuille euh, la chasse aux oeufs. Euh, qui n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que sur un des premiers adversaires, j'ai quand, quand même dû faire deux trois parties pour réussir à, pour réussir à, le, à le vaincre. Mais du coup, je, je commence à me, les, à me les faire petit à petit. Donc je suis à peu près à 13%. Je suis à peu près à la moitié de la feuille la chasse aux œufs. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurais pu finir. Euh, la chasse aux œufs, ça devrait être cool. On avance petit à petit. J'ai pas mal d'idées justement pour les, pour les prochains défis. Euh, je vous en parle pas de suite, bien évidemment, mais j'ai, on va dire, plusieurs axes pour proposer des défis. Pas forcément euh, faire une campagne ou poncer un jeu, mais euh, j'ai des idées. Je me fais des listes et euh, on en reparlera d'ici là. Je sais pas quel sera encore le défi du mois de mars, mais il y aura sûrement, euh, il y aura sûrement matière à faire. On a terminé. Normalement, tout ce qui est, euh, tout ce qui est le petit, euh, les, les petites, les petites news, demain matin, c'est dispo. Vous le savez déjà. De, de, demain, globalement, dans ces dispo, il n'y a pas beaucoup de jeux. Ça arrive très vite. Mais par contre, le jeu de la semaine, c'est Captain Flip dont on avait parlé dans le tout premier live de la chaîne. Donc, si jamais ça vous a plu, vous pouvez le précommander. Ça vous sera expédié. Ça sort du coup demain. Euh, donc, vous pourrez, euh, vous pourrez y jouer. C'est, euh, c'est quelque chose de vraiment. Euh... Enfin, moi, je, 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 vous, je vous explique. Euh, dans le C-DISPO, encore une fois, à quel point, euh, point j'ai aimé le jeu. Le C-DISPO sort demain matin à 7h. C tous les les C-DISPO sortent le vendredi matin à 7h sur la chaîne l'extension du passe-temps. Et les replays de cette chaîne ils sont disponibles bon, sur la chaîne Twitch dès la fin du live. Et ils sont publiés sur YouTube le lundi matin à 7h également. Comme ça, vous avez, euh, vous avez toutes les infos. On va pouvoir donc commencer... À parler des jeux de la semaine, je vais démarrer bah tiens par un des jeux qui sort la semaine prochaine, dont on parlera en ces dispo la semaine prochaine. C'est du coup un jeu dans une petite pochette style Love Letter qui s'appelle Flip Circus. Flip Circus donc c'est un jeu que Yellow nous sort, donc, qui arrive la semaine prochaine. Pour la petite fiche technique, c'est un jeu de Julien Gérard et illustré par Mabis Ruiz Cruz, des gens que je ne connais pas du tout. Euh, et ça va coûter 11 euros. Comme je le disais, ça sort la semaine prochaine. Donc c'est un jeu qui est globalement pas très cher. Pourquoi bah Parce qu'il y a assez peu de matos dedans. Vous avez une dizaine de jetons style jetons de poker. C'est quand même un peu plus, euh, comment dire, un peu plus fin qu'un qu jeton style Splendor. Quelques petites tuiles et des petits jetons, euh, jetons troués avec, une, euh, avec une, une croix. Ça n'a pas grand chose à voir avec Captain Flip et ça n'a pas grand chose à voir avec, avec euh, Meeple Circus, Flavien. Mais euh, on pourrait essayer d'imaginer ce que donnerait un crossover entre les deux. Euh, c'est un jeu qui va, comment dire, un peu s'approcher d'un jeu abstrait dans l'idée. On, on a parlé de pas mal de jeux abstraits la semaine dernière. Euh, hop, j'essaie de me faire la petite mise en place euh, qui va bien, en essayant de ne pas faire des bêtises et en essayant quand même de continuer à vous divertir. Il me reste un pion à mettre qui va aller là. Donc vous avez une dizaine de jetons qui est posé sur la table. Votre, c'est un jeu donc uniquement à deux. Et chacun votre tour, vous allez déplacer, retourner des pions de façon à ce que les trois pions d'un même artiste du cirque, donc euh, euh, Monsieur Muscle, l'acrobate, le, euh, le magicien, euh, la, la dompteuse, se retrouvent les uns à côté des autres. En gros, chaque personnage existe en trois fois. Votre but, c'est de les mettre les uns à côté des autres. À votre tour, vous avez deux actions à faire soit vous retournez un jeton sur son verso, soit vous intervertissez deux jetons qui sont l'un à côté de l'autre. Soit vous activez le pouvoir d'un jeton. Certains jetons ont des pouvoirs et justement vous allez pouvoir les activer. Par exemple, l'acrobate, son pouvoir, c'est que vous, vous échangez sa position avec le jeton qui a ex exactement en face d'elle. Voilà un peu l'idée. Donc à votre tour, vous faites, vous faites deux actions, après c'est votre adversaire, etc., etc. Si vous réussissez à mettre, mettons, les trois pions dompteuses les uns à côté des autres, vous remportez la tuile qui représente la dompteuse, ça vous fait un point. Si vous, si vous avez marqué trois points, vous avez gagné. En termes de règles, ça s'arrête quasiment là il y a les petits pouvoirs à, les petits pouvoirs à, à, à expliquer. Mais c'est tout ce qu'il y, qu y aura à savoir. Le truc qui va être globalement très euh, prise de tête dans le jeu, c'est qu'en fait, sur chaque pion, par exemple là sur cette acrobate, vous savez qu'au dos, vous avez le pion vert, le pion blanc ou le pion rouge, c'est-à-dire euh, la dompteuse, le clown ou Monsieur Muscle. Donc un petit peu style mantis, vous, savez, vous, avez, des, vous avez une petite idée on va dire, de, ce qui, de ce qui peut se trouver au dos. Le truc, c'est que, bah, au début, vous ne savez pas, donc vous pouvez essayer de faire des suppositions. Et après, comme les pions bougent dans tous les sens, vous savez tout. Ce qui va être plutôt difficile, ça va être de se souvenir de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que typiquement, moi, là-dessus, je suis très nul. Dès l'instant que deux pions ont été intervertis, je ne sais plus ce qu'il y avait à quel endroit. Il y, y a un pouvoir qui permet de, de, regarder, des, de regarder le dos de certains pions. Dès l'instant que je les ai reposés, reposé, je ne m'en rappelle plus. C'est des trucs vraiment dans le style de... Comment s'appelle Dans le style de trio. À ce, ce niveau-là, je suis plutôt, euh, plutôt mauvais. Euh, c'est des parties qui vont durer, ouais, ils mettent un quart d'heure, c'est à peu près ça, c'est euh, une dizaine de minutes. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je voulais vous en dire Je peux juste vous dire que j'ai lancé le sondage, si jamais vous voulez euh, vous dire si, euh, vous dire si ça, ce jeu vous intéresse ou pas, c'est en haut euh, du chat. Ouais, vous pouvez, vous pouvez voter pour, euh, pour exprimer votre hype ou non euh, sur le jeu. Euh, si, un truc que j'ai pas dit, c'est justement que en fait, vous avez des clowns qui sont un peu partout. Le, les clowns, c'est le pion qui est le plus présent, mais vous n'avez pas de tuiles clowns. Vous n'avez pas forcément d'intérêt à les mettre tous les uns à côté des autres. Par contre, dès l'instant que vous créez un groupe de clowns ou que vous agrandissez un groupe de clowns, vous gagnez un petit jeton qui ressemble à ça, euh, qui vous sert pour. Euh, en fait, vous pouvez les dépenser à votre tour, soit pour regarder le dos d'un pion, soit pour jouer des actions supplémentaires. Donc, des fois, si vous les accumulez, vous allez pouvoir jouer deux, une ou deux actions de plus. Ce qui va vous permettre peut-être de, de faire un arrangement qui va, bien, qui va bien correspondre. Parce que des fois vous, Moi ça m'est arrivé justement dans, le, dans la partie que j'ai pu faire, c'est que euh, bah je commence à faire mon truc, je retourne un pion, en fait je donne toutes les infos à mon adversaire, qui a plus qu'une ou deux actions à faire pour réussir à, à faire le regroupement, et là du coup je l'avais vraiment complètement dans le baba. Bon, l'idée il faut... Euh, quand on fait une, on va dire une transformation pour euh, choper une tuile il faut le il faut être sûr de son coup il faut pas il faut pas se rater parce que sinon ça donne ça donne le point à notre adversaire donc il faut c'est un jeu qui est assez euh... comment dire assez rude là-dessus il euh, y a un mode pour jouer à 4 euh, qui est un mode un mode de jeu en équipe mais qui est, euh... je sais pas comment vous dire qui est plus une variante on va dire qu'autre chose c'est pas... loin d'être le mode de jeu le mode de jeu principal mais il y a moyen de l'adapter il n'y a, de... a pas de mode pour jouer à 3 par contre c'est 2 ou 4 il n'y a pas de mode solo euh, le petit avis que je peux vous en donner, c'est que au vu du format de jeu, on pourrait s'attendre à un truc quand même qui est assez simple, et souvent dans les jeux abstraits ça, ça va être ça. Mais là on est vraiment sur un jeu de surcharge mentale, parce que il y a la position des pions, il y a ce qui va se passer au dos, il y a les six petits pouvoirs des différents artistes qui sont pas forcément évidents à, à se rappeler. Genre il y a Monsieur Muscle, on ne peut pas euh, l'échanger avec son voisin, parce qu'il est trop costaud, on ne peut pas le bouger. Et la dompteuse, elle, elle s'en fout des pouvoirs. Donc du coup, si elle est à côté de Monsieur Musk, on peut l'intervertir. Donc en fait, il y a des pouvoirs qui vont un peu se contredire les uns avec les autres. Au bout d'une partie, ça va. Mais c'est quand, euh, quand même assez rude à encaisser quoi pour la, pour la première. Il faut, euh, comment dire il faut, se le, il faut se le fader, justement parce qu'il ben, y a aussi beaucoup de trucs à penser euh, à l'intérieur euh, du jeu. Peu... Non, ce n'est pas un jeu d'expert. Alors ça ressemble à Ringmaster, mais juste euh, par le visuel et par le, 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 le sachet. Sinon, les deux jeux n'ont rien à voir. Euh, et effectivement, le, le côté euh, petit sachet de rangement à l'élevateur, c'est cool, c'est un truc qui, se, qui peut se transporter assez, euh, assez facilement. On arrive bientôt à la fin du sondage. Donc là, du coup, on va pouvoir savoir si les jeux sont IP ou pas. Et j'en profite du coup pour remercier Agathe pour ton abonnement avec Twitch Prime, enfin avec Prime Gaming. Si vous avez un abonnement Prime Gaming, donc si vous appuyez sur le bouton s'abonner et que c'est écrit s'abonner gratuitement, vous avez un abonnement qui, qui dort. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez chaque mois un abonnement à faire à une chaîne Twitch. Donc si jamais il ne vous sert pas, vous pouvez l'utiliser chez nous. Ça nous soutient. Et D'ailleurs, merci beaucoup Flavien pour ton abonnement avec Prime Gaming. Ah oui, tu l'avais oublié. Tu ne t'abonnes même pas à la chaîne de Proxy pas Ce n'est pas très sympa. Et alors, Flipsicus, à 50%, ça ne tente pas les gens. Ok, ok, ok. Et pourquoi pas à 41 donc en on... ouais, c'est plutôt mitigé ouais plutôt plutôt mitigé je comment dire, je pense pas que ce, sera un, que ce sera un gros gros succès mais typiquement je sais pas, vous faites une vous faites une commande il vous reste quelques, quelques euros pour, pour compléter votre panier je pense que euh, un jeu comme ça vous pouvez le mettre comme vous pourriez mettre un microgame dans le sens où vous n'allez peut-être pas en faire 50 parties mais les quelques, les quelques petites parties que vous allez faire, vous n'allez pas passer un mauvais moment durant ⁇ Ah bah tiens, a, il reste 5 minutes là, euh, on, on a 5 minutes à attendre euh, les, les potes au bar, bah tiens, regarde, je sors Ringmaster de mon sac et on peut faire, euh, on peut faire une partie ⁇ Je pense que c'est un peu le... Je vais Au doigt mouillé, hein, je, je pense que c'est un peu le, la position, euh, position qu'il aura. Ce ne sera, ce sera pas un, un énorme succès commercial, mais euh, si vous y jouez, a priori, euh, vous n'allez euh, pas... Euh, vous n'allez pas, euh, pas, euh, pas trouver ça euh, mauvais. Et le train de est en approche. Donc si jamais des gens s'abonnent ou euh, offrent des beats euh, actuellement, vous allez pouvoir débloquer des émotes. Déjà les émotes de la chaîne, avec euh, ma tête, la tête de Simon, la tête de Christy, la tête de Nico. Euh, donc que vous pourrez utiliser un petit peu partout sur Twitch, ce qui est plutôt chouette. Et euh, vous allez aussi avoir des émotes spéciales train de que vous allez pouvoir débloquer, utiliser un petit peu partout sur Twitch. Euh, tac 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 tac. Normalement, il me semblait que Prime était, était quand même faisable depuis, depuis un ordi, mais que par contre, pour, euh, pour, envoyer, enfin pour le valider, enfin depuis un téléphone, pardon, mais que pour le valider, il fallait genre quitter le live et le relancer. Je crois que c'était un petit peu, euh, un petit peu euh, chelou. Euh, mince, je, je voulais dire un autre truc. J'ai oublié ce que j'étais en, en train de raconter. Euh, je parlais des abonnements. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. On va pouvoir passer au jeu suivant, euh, qui va être. Hop! Allez, on va sortir la grosse boîte. Comme ça, c'est fait. Stouk Ancient Terrible Things, le retour. Car c'est une réédition. Euh, je ne suis pas sûr que le... Comment dire ça Que le jeu était déjà sorti en France. J'avoue que je n'ai pas fait la recherche. Mais en gros, c'est la réédition d'un ancien jeu. Et c'est le moment de faire un saut de biche. Comme ça, je me maintiens euh, en forme. Je fais un petit peu mon sport de la journée. Euh, c'est un jeu donc, que Matago va localiser. Qui vont localiser très bientôt parce que ça sort la semaine prochaine, exactement comme Flip Circus. Euh, et ça va valoir tut 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 tut, 55 euros. Pour la petite fiche technique, c'est un jeu de Simon MacGregor, illustré par Rob Van Ziel. Et vous allez pouvoir le voir, le jeu a quand même un, un parti pris graphique assez fort. Et moi je trouve ça quand même plutôt très joli. Ah, et on m'informe à l'oreillette que le jeu n'est jamais sorti en VF, donc effectivement c'est une, une pure nouveauté. Hop je retire un petit peu tout le matériel pour sortir le plateau de jeu. que Je vais pouvoir vous étaler devant votre, devant votre visage. Hop Regardez-le. Il est là. Regardez-moi comme il est austère, ce plateau de jeu. Il n'y a rien de dessus. <laughs> Pourquoi il n'y a rien de dessus Tout simplement parce qu'en fait, on va venir poser des lieux. Bon, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu de, de ce qu'on met, de ce qu'on met à quel endroit. Hop Je fais des bêtises. Si, si, qu'il faut les mettre. Hop et on va venir y mettre des cartes à côté. Je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert. Euh, on va chacun chacune avoir un petit plateau personnel sur lequel on va venir mettre un personnage. En vrai, notre personnage, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser, c'est l'objet qu'il y a au dos de sa carte. Et une petite carte ici qui va permettre de, faire, de gagner des ressources. On a également un objet sur le côté de notre plateau. Hop. Ici, on a une sorte de petit magasin. Et franchement, je fais ça bien. Hein. J'essaie de, j'essaie de faire ça. J'essaie de, de, de m'appliquer. on va également avoir quelques petites cartes en bas de l'autre plateau. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Donc voilà, la mise en place de Terrible Things est à peu près faite. Il manque de trois éléments de jeu, mais ce ne ce sera pas nécessaire pour comprendre comment ça marche. Le but, c'est un jeu compétitif, pardon, dans lequel il faut marquer le plus de points. Et pour ça, il va falloir aller euh, affronter des cartes rencontres, qui sont les cartes qui sont mises un petit peu partout sur le plateau, et euh, qui sont en gros des, euh, des monstres, des choses dans un, dans un style Cthulhu. On reconnaît très vite l'univers, on va dire, un peu dans, le, dans, le, dans lequel on baigne. Et pour faire ça, vous allez devoir faire globalement des combinaisons de dés style Yams. Euh, à chaque tour, vous allez prendre votre personnage et vous allez le mettre dans un des lieux. Si jamais quelqu'un y est, je ne pourrais pas y aller. Donc on va se répartir un petit peu chacun notre tour dans les différents lieux. Je vais activer le pouvoir principal du lieu dans lequel je suis allé, qui va me permettre euh, d'acheter des équipements, euh, qui va me permettre de gagner des, des petites ressources, euh, qui va me permettre de, de réactiver certains objets. J'ai des objets que j'ai chez moi, mais une fois que je les ai activés, il faut que je les redresse pour qu'ils redeviennent disponibles. Donc différents pouvoirs, euh, pouvoirs par-ci par-là. Et donc moi je fais le pouvoir principal du lieu. Les autres, enfin moi et les, les autres et moi, on, on fera le pouvoir secondaire du lieu. Style Resource de Galaxy, Earth et tout ça. Euh, et derrière, eh bien, je suis en train de jouer à Yams, donc je vais prendre tous les dés de couleur verte, les deux dés de couleur blanche, je les lance, hop Et là, donc pour vaincre cette rencontre, le jeu me demande de faire 5 euh, résultats différents de valeur au moins 3. Vous, vous voyez, vous avez 5 dés qui sont séparés de valeur 3, il faut que euh, je dépense 5 dés de valeur 3 ou plus pour vaincre cette rencontre. Euh, la rencontre qui est ici me demande de faire un brelan, parce que vous voyez, les 3 dés sont collés. Et il faut que ce soit un brûlant au moins de 1, parce qu'il y a écrit 1 sur la, sur la carte. Il y a des cartes qui vont vous demander de faire des suites, qui vont vous demander de faire des paires, etc. etc. Vous avez du coup l'idée. Euh, Derrière, je vais avoir donc, des objets. Ces objets, je vais pouvoir les activer pour bloquer certains dés en relancer d'autres, euh, pour pouvoir modifier la valeur d'un dé, pour pouvoir gagner des dés d'autres couleurs qui ont des petits pouvoirs spéciaux. Ils ont les, les mêmes faces, mais ils ont des, des pouvoirs du genre euh, un tel, il ne peut pas être modifié, mais je peux payer des ressources pour euh, modifier sa valeur de plus ou moins 1, etc., etc. Mon but, donc, étant de, de, faire, de faire cette chose-là. Si je ne réussis pas à faire mon, à faire mon objectif, l'objectif qui m'est demandé par le jeu, la carte sera défaussée. Si je l'ai validée, ça me fera juste des points de victoire. Et je vais me prendre un petit jeton avec des tentacules. Euh, globalement, c'est des points négatifs, donc déjà, je n'ai pas trop envie que ça arrive. Par contre... Vu qu'il y a quand même une partie de chance, ce n'est pas forcément de ma faute si je, je me chope un, un jeton comme ça, je pourrais plus tard dans la partie le dépenser pour gagner un pouvoir spécial. Une espèce de petite compensation à euh, perdre la partie. Euh, quand on avance dans, dans la partie, il y a des nouvelles rencontres qui apparaissent, des nouveaux objets. Vous avez compris l'idée. Est-ce euh, qu que j'avais est que quelque chose à en dire de plus oui, pendant... Il enfin, y a pas mal de choses, notamment les dés qui m'ont pas servi pour valider ma mission, qui ne m'ont pas servi pour valider ma carte de rencontre. Je vais pouvoir m'en servir pour gagner des jetons de couleur, Et ces jetons de couleurs me servent à... Euh, les jetons... Euh, bon, les jetons violets, ils, ont, ils sont un peu, un peu différents des autres, je ne vais, vais pas rentrer dans le, dans les, dans le, le délire. Les jetons jaunes, c'est pour acheter des objets que je pourrais activer plus tard. Les jetons verts, c'est ce qui va me servir notamment à faire mes relances de dés. Et les jetons bleus, c'est ce qui va servir à payer ces cartes-là. Ces cartes-là, globalement, c'est des cartes à usage unique que je vais pouvoir piocher et accumuler un peu chez moi, que je pourrais euh, activer plus tard justement pour, euh, pour activer différents effets, pour euh, faire des lances 2 de dés, pour changer un dé de face. Enfin, c'est vraiment des effets assez classiques, on va dire, de, dans, ce, dans ce genre de jeu. Et merci beaucoup, Dokaino, pour ton abonnement avec Prime Gaming. Euh, est... Alors, est-ce que c'est un jeu familial Je. En fait, c'est un jeu qui est marqué 14, je pense notamment à cause du thème et à cause du visuel. Je pense que c'est surtout pour ça parce que euh, c'est pas forcément un jeu pour jouer avec les enfants. Si on, met en, en, euh, si on met le thème en dehors de ça, je pense que ce serait plutôt un 10+. Dans le sens où euh, ça reste globalement assez simple à prendre en main, euh, mais la partie dure un peu longtemps. C'est indiqué une heure sur la boîte. Effectivement, on est à peu près dans on est à peu près dans ces eaux là. Émile, euh, si tu nous regardes, euh, le, le tout étant de je sais pas, je sais pas comment vous dire. Le, le tout étant de bien comprendre justement euh, les différents effets de cartes, les différents pouvoirs des lieux, euh, c'est ça justement qui fait qu'il y a un, un petit peu plus de règles que dans un YAMS hein, pour, pour, le faire, euh, pour le faire vulgairement, euh, qui fait que ce ne sera pas accessible aux plus jeunes euh, non plus. Le thème, euh, le thème mis à part. Euh, quoi qu'en dire, quoi qu'en dire. je peux pas vous dire que j'ai passé un mauvais moment à y jouer je peux pas vous dire que j'ai passé un bon moment <laughs> et y jouer non plus. Euh, non, en fait, j'ai du mal à comprendre le, le, pourquoi, le pourquoi du comment de, de ce jeu. Est, euh, on, est, on est vraiment sur un jeu globalement je rempli de hasard. Hein, on lance des dés, on, on cherche à faire des, des combinaisons. On a du contrôle, mais les objets qu'on va activer, on, on galère quand même à les, à, les remettre, euh, à les remettre droit. Et je pourrais pas le faire tout le temps. Ça dure quand même un peu longtemps. C'est-à-dire que si on joue à 4, bah, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pendant le tour des autres qui est un peu relou, hein, parce que bah, attendre son tour, ce n'est pas forcément, pas forcément... pas forcément bien. Euh, le mode solo va fonctionner, mais en termes de jeu de dés, en mode solo, je préférais largement un one neck dungeon, par exemple, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dynamique et qui permet quand même, malgré les dés, un, un peu plus de contrôle. Et surtout, bah, c'est euh... le prix d'un jeu ne fait pas tout, hein, mais euh, ce serait un petit jeu de cartes qui vaut 15 balles, pourquoi pas. C'est un jeu de plateau qui en vaut 55. C'est un peu plus difficile selon moi, euh, selon moi à justifier. Non, mais exactement ce que je disais, euh, ce que je ne euh, Je suis pas sûr que, ça, que ce soit ça. Plus tard dans l'année, il y a un jeu qui s'appelle Spot qui va sortir, qui est un, un jeu de dés qui arrivera chez Yellow normalement, euh, qui est déjà disponible sur BGA. Moi, justement, j'ai pas mal joué l'année dernière sur BGA et euh, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment vraiment top. Euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, bien plus tard hein, dans l'année. C'est pré prévu normalement pour genre. Euh, octobre ou quelque chose comme ça, donc il y, y, y a le temps de voir venir. Mais je pense que, que Spot, c'est un jeu bien plus intéressant dans, une, dans un, un objectif un peu similaire euh, comparé à Ancient Terrible Things. Et je voilà, te voilà. confirme que les gens ne sont pas vraiment intéressés par le jeu. Ouais, voire, okay. pas, voire pas du tout. Ouais, ouais, c'est... Euh, bon, je ne peux pas vous dire que je, je vous l'ai bien vendu. En général, les gens sont un peu en accord avec la façon dont je présente le jeu. Là, effectivement, euh, je n'ai pas... Euh, j'ai pas grand-chose pour le défendre, j'ai un peu du mal à, à comprendre pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant. J'espère que la suite est mieux. Euh, oui, 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 la, la suite ah. est mieux. Par contre, j'ai un défi qui me demande de dire C'est top spots 15 fois d'affilée. Normalement, j'aurais pas mal m'en sortir, je suis pas trop mal en articulation. C'est top spot, 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 franchement je m'attendais à plus bafouiller que ça, je m'en suis pas, trop, trop, mal, euh, pas trop, trop mal débrouillé. Et merci au passage à Eye of the Edgar pour ton abonnement avec Prime Gaming. Ah voilà, les gens sont ravis. Ma copine est orthophoniste, c'est un peu de la triche. Ça n'a aucun rapport. <laughs> Vous l'avez pas vu, il y a Christy à côté qui me, <laughs> qui me, fait, un, qui me fait un pouce levé. Ah bah voilà, les, 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 gens sont, les, les gens sont ravis dans le chat. Donc le problème des. Ah bon <laughs> le chat, La foule est en délire. Il vous en faut peu. Hein. Euh, il vous en faut peu. Je vais donc dégager un petit peu tout ça. C'est le problème des jeux avec un petit peu plus de matériel, c'est que eh ben forcément, il y a plus de choses à ranger. Les prochains jeux justement seront au contraire bien plus rapides. On va rester chez Matago. Hop, on va foutre ça. Ah non, là, c'est grave, très bien. Désolé, forcément les dés quand on les bouge, ça fait du bruit. Stouk, stouk, stouk. Euh, ouais, donc on va rester chez Matago et je vais vous parler... Du prochain microgame qui sortira le 1er mars au prix de 8,50€, bien sûr comme euh, l'intégralité des microgames. Euh, donc, il s'appelle Le Roi des Ribots. Euh, contrairement à beaucoup des microgames, ce n'est pas une localisation d'un jeu de chez Button Shine. C'est un, une création Matago euh, et c'est un jeu qui est basé sur une BD. Alors, une BD que je ne connais pas du tout, mais qui s'appelle du coup Le Roi des Ribots. Euh, vous le voyez. À la couleur de la pochette, ils ne se sont pas plantés cette fois-ci. C'est un jeu à deux, euh, car c'est une pochette de couleur noire. Il y a le petit, euh, le petit code qui va bien. Effectivement, c'est aussi un jeu qui est disponible sur Board Game Arena, auquel, euh, bah, auquel vous pouvez jouer si vous en avez envie. Je pense malgré tout que. Alors, le jeu fonctionne sur BGA, je pense que jouer en vrai apporte quand même un peu quelque chose. Il y a un petit côté. Euh, alors, c'est pas du tout les mêmes styles de jeu, mais un peu à la Jekyll vs Hyde, ou à la Dracula versus Van Helsing. Quand vous avez la personne en face, vu qu'il y a un peu une notion de, de bluff, de lecture de jeu, le fait d'avoir la personne en face, ça, ça joue quand même pour le, pour le plaisir de jeu. Le roi des ribos... Ah oui, il n'y a pas encore de microgame à licence pour l'instant, je crois. Bah si, en fait, techniquement, le roi des ribos, c'est un microgame à licence. Je dis n'importe quoi. Euh, j'ai vu qu'Alexandre Aguilar était dans le chat, des bisous. On parle de ton jeu bientôt. Et euh, qu'est-ce que j'en disais de plus Oui, j'ai vu que quelqu'un aussi avait beaucoup aimé la vidéo du top de 2023. Eh bien, très sympa, merci beaucoup, euh, merci de l'avoir regardé, merci d'avoir pris le temps de le faire, et merci d'avoir dit que ça te plaît. Euh, ah, et avant de démarrer exactement la présentation, il y a une petite question comme ça, je vais m'attarder rapidement dessus, avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment je choisis euh, les jeux dont je, vais, euh, dont je vais parler dans ces lives Alors, il y a des, il y a des paramètres globalement tout simples, c'est, euh, bah, je vais parler de jeux auxquels j'ai joué, dans l'idée pour, euh, bah, pour quand même pouvoir émettre un avis et, et être un poil pertinent sur le, sur le sujet. Le principe des lives, c'est d'essayer de présenter des jeux qui ne sont pas encore sortis, donc forcément bah, des jeux qui, sont, qui sortent au plus tard cette semaine. Et euh, évidemment, évidemment, on est, on est, nous, nous sommes payés dans tous les sens. Euh... Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne, ces, ces lives ne sont pas sponsorisés. Sinon, on l'écrirait quelque part, on le, on le préciserait, comme on fait. Euh, enfin, on le on précise toujours quand nous faisons des euh, sponso. Et aussi, dans ça dépend d'une chose toute particulière, c'est que bah, ça dépend en fait d'avoir, si on a les boîtes ou pas. Des fois, euh, les éditeurs n'ont pas la possibilité de nous envoyer les jeux à l'avance, donc on ne peut pas parler de leur jeu à l'avance vu qu'on n'a pas la possibilité d'y jouer. Euh, moi, il y a des jeux dont j'ai déjà fait pas mal de parties, euh, par exemple parce que j'ai pu y jouer sur BGA, mais on n'a pas la boîte en physique, donc je vais pas pouvoir vous en parler. Par exemple, je sais pas, moi j'ai fait pas mal de parties de Boréal, le prochain jeu de chez, de chez Spiral Edition, qui est l'éditeur de District Noir. Alors je pourrais vous émettre un avis, je pourrais vous en parler, je pourrais vous le présenter, mais on n'a pas la boîte donc je ne peux pas le faire. Par contre dès qu'on le recevra, je pourrais, je pourrais, le faire. Ce que, ce que je disais à Baptiste tout à l'heure, je pense qu'il y, y a un moment où je ferais des, euh, ou comment dire, où je ferais peut-être un live de, un peu de retour sur des jeux sortis cette année ou que j'aurais pas eu le temps de traiter justement parce que j'avais pas joué au moment, au moment à ce moment-là où où, où où on avait reçu la boîte. Je pense par exemple à, à Golden Crash que j'ai pu commencer enfin à, à à jouer, j'en ai fait qu'une seule pour l'instant, euh, mais euh, je pourrais peut-être euh, faire un retour sur quelques jeux comme ça euh, de temps en temps. Euh, voilà, voilà. Bon, là, ça a l'air vraiment sympa. Et eh bien je ne dirai rien, comme, euh, comme ce que j'ai fait pour. Euh, C'était pour quel jeu déjà tout à l'heure De quel jeu j'ai parlé Je n'ai pas dit. Ah oui, comme pour William Spade, j'attendrai euh, de l'évoquer dans ses lives justement pour pouvoir euh, vous donner mon avis dessus. Est-ce que je pourrais présenter un jeu qui peut être pledgé sur euh, un jeu pledgé sur KS c'est un peu, je pense, un peu moins pertinent, parce que malgré tout, euh, c'est pas ma chaîne personnelle, c'est la chaîne du passe-temps. Donc dans l'idée, si c'est des jeux qui peuvent être euh, achetés au passe-temps, c'est cool. Euh, des jeux qui ne sont pas encore localisés, peut-être que ça, pourra, euh, ça pourrait aider à les faire localiser. C'est pas l'objectif en tout cas. Je n'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas le but de ces lives. De toute façon, je ne dis pas que, que on, est fermé, on est fermé à tout, mais en tout cas, pas c'est loin d'être prévu pour l'instant. Parlons du Roi des, des Ribots, un jeu de Erwan Ricard, euh, qui est un jeu. Ah Et Y a-t-il le nom de l'illustrateur ben, Le nom de l'illustrateur, c'est l'illustrateur de la BD, tout bonnement. Euh, mais du coup. Ah si, je vais peut-être l'avoir ici. L'artiste, du coup, c'est Ronan Toulou... Toulouat. Voilà, voilà, vous savez tout. Oulala là là. <laughs> Fais, euh, tu fais référence à des, à des heures sombres non euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est chaîne perso euh, j'ai un peu euh, j'ai un peu abandonné j'ai clairement pas le, le temps et l'envie forcément de d'y accorder, euh, accorder donc oui, effectivement j'ai un peu euh, tout arrêté est ce que je peux mettre le jeu à plat pour qu'on le voit bien la zénithale normalement maintenant c'est euh, réglé hop donc le roi des ribots, ça se présente comme ça jeu à deux d'affrontement vous avez des cartes en main qui représentent des personnages vous avez ici par exemple le roi alors attention, les cartes brillent un petit peu, donc peut-être qu'il y aura des petits reflets. Vous avez le chevalier, et dans les autres personnages, vous avez la reine, et je vais vous les mettre à l'endroit quand même, la reine et l'assassin. Donc quatre personnages qui sont chacun présents en quatre exemplaires. A votre tour, soit vous retournez une des cartes qui est au centre de la table, et vous appliquez son pouvoir, soit vous prenez une carte de votre main que vous mettez sur la table, face visible ou face cachée, et vous récupérez la carte qui est à place. Par exemple, je pourrais dire, je joue cette carte de la face cachée et je récupère cette autre carte qui avait face cachée. Ou alors j'aurais pu dire, je joue cette carte de ma main face visible, et je récupère la carte qui est face cachée, et comme la carte que j'ai jouée face visible, j'applique son pouvoir. Donc globalement, d'un sens, que je retourne ou que je pose une carte qui est visible de, de, de tout le monde, j'applique le, le pouvoir de la carte. Le but dans le jeu, c'est de, de gagner de... On peut, on peut gagner de trois façons différentes. Euh, il va falloir qu'il y ait trois rois face visible sur la table, il va falloir que j'ai trois cartes reines dans ma main, ou alors il va falloir qu'il y ait un assassin, enfin deux assassins pardon, qui encadrent un autre personnage face visible. Dès l'instant qu'on a réussi à faire une de ces trois choses là, la, la, la partie est gagnée du coup par la personne qui a déclenché, euh, qui a déclenché cette condition. Derrière du coup tous les, tous les effets vont permettre un peu de manipuler ça. Le roi, quand on le joue, il va permettre d'aller piocher des cartes et d'en défausser d'autres. Justement peut-être pour aller récupérer des reines ou des pouvoirs qui m'intéressent. L'assassin... Le, le, il va me permettre de regarder les cartes qui sont face cachées au centre de la table pour prendre un peu d'informations, savoir ce qui est posé à quel endroit. Euh, le chevalier, lui, mineur, il peut être un peu game breaker il permet d'inverser la position de deux cartes et d'en retourner une. Typiquement, euh, avec lui, on peut facilement déclencher le, la condition des assassins. Genre, pff, je mets les assassins de, de part et d'autre, je retourne la dernière carte qui manque et paf, et paf la partie est gagnée. Et euh, la reine, elle permet de regarder deux cartes de la main de son adversaire, donc sur les trois qu'il en remontent, c'est quand même pas mal. Et s'il y a des reines, elles sont défaussées. Justement, ça permet de contrer, euh, de contrer la possibilité de gagner grâce, euh, grâce aux reines. Donc ces quatre petits pouvoirs qui payent pas de mine, hein, où avec l'iconographie on se rappelle vite de selon il est question. Une partie c'est 2 minutes 30, 5 minutes grand max, on est vraiment sur un truc qui est, qui est très dynamique et où on peut gagner très vite. Et, euh, et justement que j'ai trouvé euh, assez enfin, justement, très plaisant, notamment comme je le disais pour jouer en physique, parce que on voit que notre adversaire prépare des trucs. On sait que, ah bah tiens, ah, t'as mis une carte face cachée à cet endroit-là. Est-ce que ça peut être Est-ce que c'est un roi Parce qu'il y en a déjà un autre qui est face visible. Est-ce que tu prépares un coup avec des assassins Parce que les autres cartes pourraient correspondre à la, à la condition de victoire des assassins. Tu pioches des cartes, non mais tu dois avoir des reines, forcément. Je vais jouer une reine pour essayer de te les, te les, te les dégager. C'est euh, très. Euh, un, peu, un peu, comment dire Un peu brain, on va dire, dans le sens où il faut, euh, faut se mettre dans la tête de l'autre et essayer de, de deviner ce qu'il ou elle a en tête. Euh, c'est un truc, coup, que j'ai trouvé, euh, trouvé plutôt agréable. Euh, le format de partie fait que. Il y a du random dans le jeu forcément c'est sûr, mais la, la, la durée fait que euh, bah si jamais on perd parce qu'on n'a vraiment pas eu de chance, bah comme je disais, la partie a duré deux minutes, donc on s'en fout, on fait une revanche. Et le but n'est pas tant de dire euh, j'ai fait une partie, j'ai gagné. On en fait 3, 4, 5 défilés, on fait le premier qu'on gagne 3, le premier qu'on gagne euh, 4, comme des jeux style euh, Brave Rats ou les cités perdues ou tous ces jeux-là, qui peuvent se jouer, euh, qui peuvent se jouer plutôt, euh, plutôt rapidement. Et donc comme je disais, ouais, le, le fait d'avoir la personne en face fait que euh, on peut bluffer, on peut faire semblant de préparer des trucs... Euh, Faire croire à l'autre qu'on prépare des trucs alors que pas du tout, c'est justement tout l'intérêt euh, du jeu. Évidemment, le but c'est de faire les plus, euh, le plus de stats sur BG Stats. Sans partir une semaine. Oh, je ne sais pas si j'ai fait ça déjà, je pense pas. Bah ben non, clairement, je n'ai pas fait ça. Mais ça, pour, ça pourrait être un défi. <laughs> non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Euh, ben voilà, c'est l'avantage au moins des jeux, <laughs> des jeux rapides, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, même même s'ils sont bien, c'est qu'il n'y a pas grand-chose euh, grand à en dire. Je pense que ça fait partie des, des bons... Euh, des bons microgames. Là, globalement, on a quand même une plutôt bonne fournée. Cette année, on a eu euh, on a eu Revolver Noir. Euh, J'ai pas joué moi encore, mais euh, tous les avis sont assez sont assez sont très très positifs sur le jeu. Il euh, y a Rov, qui est, ok, qui est pas qui est loin d'être mauvais, mais qui est, pour moi euh, dans, la, dans la moyenne. Et le Roi des Ribots, qui est plutôt euh, plutôt dans le haut du panier, je pense, de, de, ce, qui se fait, euh, de ce qui se fait dans les dans les microgames, notamment dans les jeux à deux. Ça, ça a encore une proposition qui change de euh, cercles de, de wagons enfin de des chariots de l'ouest de antinomie de de mince, de la bataille des petits sorciers et tout ça ça il y, a, y a quand même il euh, quand même des gameplays différents avec seulement un paquet de 18 cartes et moi je trouve ça fou euh, tout ce qu'il est possible de faire avec euh, aussi peu de aussi peu de matériel et les gens ont l'air de ton avis, ils sont plutôt à euh, presque 70% euh, partant pour le tester voire carrément partant Ok, carrément. carrément, ouais, carrément. J'y ai joué aussi et j'ai trouvé ça très chouette. Ah ouais, t'as euh, eu, eu l'occasion d'y de, euh, de jouer, ouais. Très joli en plus, les cartes euh, un peu dorées, je trouve ça assez mmh. joli. Et euh, C'est très agréable. Vraiment ouais. très chouette. Est-ce que tu connais la BD ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Bah, je pense que je, je, vais, je vais finir par, par m'y intéresser. C'est comme My Name GMT. Du fait que c'est tiré d'une BD, euh, je sais que Nico les a lus. Euh, donc il a, euh, et il y a ce côté, des fois, euh, un jeu est tiré d'une licence qu'on ne connaît pas, ça donne l'occasion de s'y intéresser un petit peu. Ça sort quand ça sort le euh, 1er mars, si tout se passe bien, sauf, euh, sauf problème de livraison. Et normalement, je sais pas Baptiste tu l'as fait, normalement il y, y a la commande pour, euh, pour euh, diriger vers la, vers la boutique pour, euh, pour si jamais les gens sont intéressés pour euh, le précommander ou autre. Vous avez du coup toutes les infos disponibles dessus. Ça vaut 8,50€ hein, du coup comme euh, l'intégralité des microgames. Je ne sais plus ce que c'est celui qui sort en avril. Je sais pas. On n'aura pas que des bons normalement cette année, au vu de, au vu de ce qu'on a vu, mais il y a quand même des trucs plutôt cool. Euh, Peut-être que, Mat euh, peut que Matago on aura sur son stand à Cannes. C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est vrai que du coup, nous, on est, euh, à Cannes, on est quand même pas mal dans plus dans l'espace pro que dans l'espace le, public. On va quand même y passer, donc on aura l'occasion de s'y croiser de se faire de se faire coucou. Mais, euh, mais effectivement, le, on, on voit un peu moins euh, ce qui est organisé, ce qui est proposé sur les, sur les stands publics. Ok, donc euh, a priori, la le sondage est terminé et je pense que ça n'a pas dû beaucoup bouger euh, entre temps. Ouais. Non, non, c'est toujours. Euh, oui, oui. C'est un grand oui. Ok. En bah, grande majorité. Trop bien, trop bien. On démarre, enfin on démarre, on continue sur un autre jeu avec une boîte sombre, Les 5 Royaumes. Vous reconnaissez peut-être la boîte, c'est le même format que Golden Crash et c'est le prochain jeu qui sortira dans cette gamme-là. Donc c'est un jeu qui va sortir chez Greggaps. Comme tous les jeux de la gamme qu'il y aura, c'est un jeu à deux. Ils le définissent comme plutôt initié. Effectivement, euh, il y a assez peu de règles, mais c'est quand même assez prise de tête. pas forcément péjoratif hein, quand je le dis, hein, prise de tête. Et c'est un jeu donc de Florian Grenier, donc, bah, qui est euh, l'un des, des membres de la maison d'édition Gre Games, et illustré par Jean-Marie Minguez, qui est euh, Minguez. Ah, je sais. Ouais, peut-être Minguez. Je dis les deux comme ça, je, je me trompe, mais normalement j'ai la vérité. Et en fait, non, ça se disait Jean-Marie Rototo, pas du tout. Les lettres ne se prononcent pas du tout comme, euh, comme, elles, comme elles devraient. Euh, et qu qu'est-ce qu que je disais de, de plus Oui, Jean-Marie Minguez, du coup, qui est l'illustrateur de Nidavellir, notamment. Je pense que c'est peut-être le seul autre jeu qu'il illustré J'ai un gros doute là-dessus. Il ne me semble pas qu'il illustre en tout cas beaucoup, beaucoup de jeux. J'en profite pour faire un petit saut de biche, vu qu'on me le demande si gentiment. C'est un jeu de cartes, comme tous les jeux de cette gamme. Vous avez ici votre paquet de cartes. Vous avez... <laughs> La façon que je présente comme ça, j'ai l'impression d'être... Euh, mince, j'ai oublié le... J'ai oublié le nom de. Ah Le nom de ce, de ce cuisinier, un cuisinier belge qui, est, euh, qui fait beaucoup de vidéos sur TikTok et euh, qui parle un peu comme ça, genre vous mettez machin, 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 et euh, vous euh, et qui est assez, assez euh, dynamique on va dire dans sa façon de, de cuisiner. Ah Nico demande mon avis sur Elawa, je le dirai juste après euh, la présentation des saint royaumes pour ne pas m'interrompre un peu de suspense, comme ça les gens doivent rester un petit peu. Vous avez un paquet de cartes, et vous allez en début de partie créer un petit carré. Alors un carré dans lequel il n'y a pas la diagonale. Hop, je me suis raté, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc voilà à quoi ça va ressembler, un carré de 3 par 3, dont il manque la diagonale. Là ici vous voyez le dos des cartes, donc globalement vous savez quelle est la couleur de la carte. Et c'est pour ça que ça s'appelle les 5 royaumes, vous avez cinq couleurs de cartes, rouge, bleu, violet, vert. Et jaune. Vous avez également des cartes spéciales qui sont l'ordre religieux. J'y reviendrai juste après. Et vous avez aussi des cartes de l'ordre impérial qui sont globalement une couleur joker. Ah oui, évidemment, il y a aussi chef Michel Dumas. Euh, pour mon exemple, je vais plutôt faire une mise en place qui va ressembler à ça. Ce sera bien mieux. Voire même, je vais faire une mise en place qui va ressembler à. Hop, je triche complètement. Qui va ressembler à ça. Ce sera beaucoup mieux. À mon tour, je prends la première carte de la pioche. Je ne regarde pas ce que c'est. Et je la pose à une casque qui est disponible de façon à ce que ça reste quand même dans un carré de 3 cartes par 3 cartes. Par exemple, je pourrais la jouer là, là ou là. Je l'ai jouée ici. J'ai créé une zone de couleur rouge, donc je vais récupérer toutes les cartes de couleur rouge. Je vais expliquer après ce que j'en fais. Si jamais je l'avais joué ici, il n'y a pas de carte de la même couleur. À côté de, cette, de, de ma carte, il y a une carte bleue et une carte de l'ordre religieux. Bah, soit je récupère toutes les cartes bleues du, du terrain soit je récupère toutes les cartes de l'ordre religieux du terrain. Par exemple, ici, je récupère ces deux cartes-là. On joue chacun notre tour. Si jamais à un moment, il n'y a plus de cartes dans le, dans le carré, on le recomplète. La partie s'arrête quand la pioche a été terminée. Les cartes que je vais récupérer, je vais pouvoir m'en servir de deux façons différentes. Soit je ne vais pas regarder ce qu'il y a au dos, je vais juste les poser comme ça chez moi. C'est ce qu'on va créer. Ben, en fait, un petit peu ce qu'on fait au passant, on est en train de créer de l'influence. Ça, c'est de l'influence qu'on va avoir auprès du royaume rouge. Euh, ils ont tous des petits noms en fonction de, de l'animal qui, qui est représenté. Je les appeler par leurs couleurs, ce sera globalement plus, euh, plus simple et je risque moins de me planter. Donc je donc là, en gros, j'ai deux d'influence pour le royaume rouge. Plus tard, je pourrais de, avoir des influences plus ou moins fortes dans les royaumes des différentes couleurs. Ou alors, j'aurais pu prendre les deux cartes, les retourner, et là, oh, regardez, miracle, il y a des personnages, en garder un chez moi et défausser tous les autres dans la, dans la poubelle. Donc, imaginons que je garde celle-là. Normalement, on a une, une petite salle du trône en parties, donc on va mettre le personnage à côté de cette salle du trône. Euh, c est, c est, je suis dans le nickel. Euh, je vais mettre ce personnage à côté de cette salle du trône et du coup je pourrais avoir quatre personnages au total chez moi. En termes de règles ça s'arrête à peu près là. Évidemment les personnages que je vais avoir ils servent à des choses. En fait ils ont des petits pouvoirs qui vont se déclencher en fonction des cartes que je mets dans mon influence. C'est pour ça en fait les cartes ont deux utilités. D'un côté les personnages je me les mets de côté et ils vont s'activer quand les cartes que je les mets dans mon influence. mais Du coup forcément les cartes comme je peux soit les mettre dans mon influence soit les mettre dans mes personnages, il faut que je, je choisisse en connaissance de cause ce qui m'intéresse. Et surtout bah, que les personnages que je choisis de mettre chez moi, donc pour activer leur pouvoir, bah, au début je ne sais pas ce que c'est, c'est-à-dire que je sais que je vais récupérer un personnage rouge, je ne sais pas ce que je vais avoir derrière. Je peux voir un peu les personnages qui sont tombés en me disant, ok, ce personnage-là, il est déjà tombé, donc il ne devrait plus être dans le paquet, donc potentiellement j'ai plus de chances d'avoir un tel, mais il y a quand même une petite part de hasard justement, justement là-dessus, ou alors une part de prise de risque de dire.. J'abandonne cette influence, je retourne les cartes et j'espère trouver le personnage qui m'arrange. Les pouvoirs que vous allez avoir, euh, ils sont de différents types. Soit c'est des pouvoirs quand vous posez la carte chez vous, soit des pouvoirs qui s'activent tout au long de la partie, soit c'est des pouvoirs qui s'activent à la fin de la partie, globalement pour marquer des points. Euh, dans les pouvoirs que vous aurez, par exemple là, ici vous avez une guerrière qui, pendant la partie, quand vous jouez votre quatrième influence rouge, vous permet de voler un point à votre adversaire ou de détruire un personnage adverse. Il y a quand même un petit peu, forcément c'est un jeu à deux, il y a quand même pas mal d'interactions. Euh, ici vous avez la sorcière. La sorcière, quand vous jouez votre troisième ou votre cinquième carte verte en influence, vous allez pouvoir récupérer la défausse et choisir le personnage de votre choix et le jouer chez vous. Euh, vous avez le roi. Le roi dans chaque couleur, euh, si c'est vous qui avez le plus d'influence de sa couleur à la fin de la partie, il vous rapporte des points. Euh, la reine, elle vous rapporte des points pour chaque carte que vous avez en troisième, quatrième et cinquième influence. Euh, donc en gros, à vous de choisir un peu les personnages que vous allez vouloir récupérer. Et derrière, bah forcément, si j'ai un personnage qui me dit d'avoir le plus d'influence rouge à la fin, bah je vais essayer, euh, si c'est moi qui l'ai, bah d'en avoir plus que mon adversaire, donc d'en récupérer un maximum. Et moi, si je vois que mon adversaire a ça, bah essayez justement de le contrer en chopant l'influence rouge pour essayer de, de l'empêcher de marquer ses points en fin de partie. Les cartes de, de l'ordre religieux, en fait, eux, euh, ils ne peuvent pas euh, intégrer euh, l'influence. Donc si je, si je les récupère, je vais être obligé de les retourner. Euh, et du coup, bah, de les jouer, de les jouer chez moi. C'est en gros leur particularité. Mais eux, ont, ont, euh, je sais pas comment vous dire, dans les différentes couleurs euh, rouge, jaune, vert, bleu, vous avez tous les mêmes personnages qui sont qui sont à l'intérieur. Les personnages de l'ordre religieux sont un tout petit peu différents. Donc justement, potentiellement, il y a des pouvoirs un peu plus forts que d'autres. Donc c'est là où ça va pouvoir, euh, ça va pouvoir être un peu, euh, un peu intéressant. Par exemple, j'en celui-là. Quand je le joue, je peux voler un point à mon adversaire ou détruire une carte. Ça, on l'avait déjà vu. Exact, ça ne se déclenchait pas exactement au même moment, mais à la fin de la partie, si c'est moi qui ai le plus de guerriers chez moi, donc les personnages qui ont une épée, euh, je vole deux points à mon adversaire. Ça peut quand même avoir son petite, euh, sa petite importance. Parmi tous les personnages, il y a également des titans. Euh, ils sont par exemple celui-ci. Le titan, bah c'est un, un personnage qui est un peu particulier. Quand je le joue chez moi, il ne vient pas autour de mon trône. Il vient juste face visible chez moi, je, je peux en avoir autant que je veux des titans. Euh, quand je le joue, ça me fait un point. Qui est plutôt cool. Mais par contre, dès l'instant que j'ai 5 titans pendant la partie, je remporte la partie immédiatement. Donc, pareil, c'est une certaine façon, comme dans ces Menonder Duel, comme dans tous ces jeux-là, de mettre la pression à son adversaire, de dire Ok, je commence à récupérer 2, 3, 4 titans. Euh, fais gaffe à toi, essaie de me les détruire avec des pouvoirs, parce que sinon, euh, bah, je vais gagner la partie. Tu auras peut-être plus de points que moi, mais les points, on s'en fout. C'est quand même moi qui gagne grâce aux titans. Euh, J'aime bien les élus, mais pas la façon de jouer. Alors, en fait, je pense que par contre, les élus, le fait d'avoir vraiment. Enfin. Des élus pleines pleine cartes, genre vraiment des cartes full art. En plus avec le style très particulier de Jean-Marie Magage, je pense que clairement, il y a des gens que ça va complètement rebuter. Moi, je trouve ça super joli et en fait, je l'avais pas remarqué comme ça. Mais c'est vrai que euh, le fait de pas avoir de bord de carte, le fait d'avoir un, un petit cadre pour mettre les pouvoirs, mais qui est quand même assez transparent, le fait vraiment d'avoir bah, une, une carte full art, c'est assez rare dans les jeux de société. Enfin, en tout cas, là comme ça, j'ai pas beaucoup d'autres exemples qui me, qui me viennent en tête. Donc parce que c'est pas si commun que ça, donc c'est quand même assez chouette à souligner. Et bonjour à toi, euh, complètement fou, gomme. Ah oui, je pense que ton pseudo c'est plutôt juste gomme. C'est un pseudo que j'ai déjà entendu par-ci par-là. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense du coup de, des 5 royaumes Eh bien, malgré le fait que la règle de jeu est globalement euh, très réduite, alors vous avez les, les différents pouvoirs qui vous sont décrits, mais... Il y a quand même assez peu de texte, il y a quand même assez peu de, assez peu de contenu dans, le, dans, dans, dans la règle de jeu. C'est euh, une règle de jeu qui est assez abstraite. Dans le sens où, je vous dis, vous prenez votre carte, vous la mettez dans le carré, vous récupérez les cartes de couleur, vous pouvez les retourner, vous pouvez les mettre dans votre influence. En fait, on fait des trucs qui n'ont pas forcément de sens. Alors, c'est pas... Euh, pareil, encore une fois, ce que, ce que je raconte, c'est pas péjoratif. C'est par exemple, si je dis, euh, bah, j'ai des pièces, et je sais pas, mini-ville, j'ai des pièces et je le dépense pour acheter un bâtiment. Je comprends un peu plus ce que je fais, c'est-à-dire que c'est un peu plus proche de la réalité. Là, effectivement, ce que je fais, j'ai un peu du mal à, à mettre du sens à, à mettre du sens là-dessus. Ce qui fait qu'après la première partie que j'ai faite, bah, j'avais joué avec ma mère et euh, on se disait tous les deux, waouh, ouais, on ne on sait, on, on sait pas quoi en penser. En, en, mode, en mode vraiment, euh, c'est bizarre, on ne on, on, on savait vraiment pas émettre un avis. Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Vraiment, on, on ne savait pas parce que. Le, le, la, la, la mécanique, en tout cas ce qui se passait pendant la partie, pendant la partie était un peu étonnante. Et j'y ai rejoué du coup entre temps, ça faisait beaucoup plus sens déjà le fait de, de réexpliquer le jeu. En en ayant fait une partie, c'était déjà bien plus simple, et la personne avec qui j'ai joué, bon avec, avec Simon, euh, ça lui a permis de comprendre bien plus vite quels étaient le, quel les, les, enjeux, les enjeux du jeu, et euh, c'était beaucoup plus tendu. Justement il y a un moment où j'étais euh, à 4 titans, donc j'étais à 1 titan de la victoire, donc il a, il a fallu qu'il se débrouille pour me le dégager. Euh, justement, moi, vu que je voulais récupérer des titans, des titans, globalement, il y en a deux par couleur. Je regardais un peu dans la défaut, c'est parmi ce qu'on avait récupéré pour dire, non, le titan jaune, c'est sûr qu'il n'y en a plus, donc ça ne sert à rien que je retourne les personnages jaunes, donc je vais pas essayer de les récupérer. En fait, on, assez vite, on voit un peu quels sont les, les points d'intérêt de dire, ok, il faut que je cible telle couleur ou telle couleur pour essayer d'atteindre ma mission, euh, pour les histoires de majorité également, également. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça quand même plutôt très bien. Euh, je ne sais pas comment vous dire. Pas, euh, je ne vais pas vous dire c'est mon jeu de l'année, c'est génial, c'est euh, une, une pépite ludique, mais le grand écart entre la première partie où je ne comprends pas ce que je fais et la deuxième partie où c'est beaucoup plus clair et au contraire ça, on n'avait pas le temps mais ça me donnait clairement envie de, de faire une revanche, enfin pas de faire une revanche parce que j'ai gagné ma partie, mais en tout cas dans, de, de, dans, de renchaîner sur, sur une partie derrière, c'était quand même plutôt chouette. Alors beaucoup de personnages, globalement des personnages on a 5 différents dans les différentes couleurs. Les personnages de l'ordre religieux et des impériaux ont des petits pouvoirs différents. Je pense que pour une première partie, on peut les présenter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on euh, ne pourra pas dire Ah oui, je vais prendre des impériaux parce que je sais qu'il y a ce pouvoir qui pourrait m'intéresser. Pour une première partie, ce n'est peut-être pas, euh, peut pas nécessaire. Pareil, comme dans beaucoup de jeux comme ça, du fait que ça ne dure pas très longtemps, 15 minutes, si jamais la première partie, est, on, on l'a fait un peu, un peu à l'arrache, c'est moins grave parce que justement, on n'y a, pas a pas passé deux heures, donc on n'a pas, pas perdu du temps. Ça permet de, de prendre en main le, le jeu et de euh, et de se familiariser de se familiariser avec après une partie par contre l'iconographie elle est très claire elle, est, elle est très claire, vous avez pas de vous avez pas de problème il y a quand même un, un j'ai quand même un, un tout petit un tout petit problème sur le jeu c'est en, en termes d'iconographie enfin pas, pas d'iconographie pardon mais de il y, y a un petit point de règle que j'ai j'ai pas trouvé extrêmement clair en gros on vous dit que dans votre autour de votre dans votre conseil en gros donc dans les cartes y a autour de votre salle du trône vous ne pouvez pas avoir deux fois le même personnage et en fait, des personnages, par exemple, la des reines, il ben, y en a dans toutes les couleurs. Donc moi, la façon dont j'interprété je, je c'est que je peux pas avoir plusieurs reines chez moi. Mais je pense qu'en fait, ça veut dire que je ne peux pas avoir deux reines rouges chez moi, parce qu'il y a plus, il y a deux reines rouges dans le jeu, donc je peux pas avoir deux fois exactement la même carte. Je trouvais que c'était un petit peu, euh, un petit peu euh, pas clair. Donc pareil, je préfère le préciser. Je pense que la deuxième interprétation que j'ai, donc ne pas avoir deux fois la même carte, est la bonne. Parce que sinon, il y, a une, il y a un truc qui est incohérent au final, dont on, quand on, quand on joue au jeu on se dit, ok, effectivement, si la reine, je peux pas avoir plus d'une reine, plus d'un assassin, plus d'un machin, c'est pas, euh, c'est pas très clair. Euh, J'ai vu que le sondage était passé, et était terminé. Qu'est-ce que les gens en pensent Les gens sont plutôt mitigés. Ok. Euh, J'ai perdu le, le fil exact, mais c'était euh, plutôt euh, pourquoi pas, mais plutôt non, mais plus pourquoi pas. Ok, d'accord. Ok, ok. Euh, je comprends. Je comprends, je comprends complètement. Je... Comme je dis, je ne vais pas vous dire c'est le meilleur jeu que j'ai joué cette année. Allez-y, allez les yeux fermés. Je n'ai pas le recul nécessaire pour le juger à ce point-là. Mais en tout cas, il a au moins le mérite de me, de me titiller pour aller, pour aller déjà, après la première partie, dire Attends, il y a un truc que je n'ai pas compris là, que on en refait une pour, pour voir, et même après du coup y avoir re rejoué, l'envie d'y retourner pour, pour mener le, la chose un petit peu euh, plus loin. Ça, du coup, pardon, je ne vous l'ai pas dit. C'est le prochain jeu donc, de chez, euh, chez Grow Games. Euh, c'est prévu de sortir pour le 5 avril. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Euh, pour 15 euros. Pourquoi pas, mais surtout, pourquoi Alors, effectivement, c'est une question qu'on peut, qu peut se poser sur beaucoup de jeux. Euh, mais après, c'est toujours un... C'est un, un débat qui pourrait être intéressant, hein, du coup, de savoir pourquoi, euh, pourquoi éditer tel ou tel jeu, pourquoi est-ce que tel jeu devrait sortir ou non c'est euh, un, est, est un truc qui est toujours difficile. Enfin, je sais, je sais pas comment dire. C'est compliqué d'évaluer ça. Et je pense que dans tous les cas, quand tu es, es éditeur, bah, tu sors un jeu que tu aimes. Enfin, il tu, tu, y a un jeu qui arrive que, que tu aimes. Forcément, tu as envie de le sortir. Mais euh, derrière, euh, est-ce que c'est un jeu qui va rester dans le temps Est-ce que c'est un jeu qui va apporter quelque chose au monde du jeu C'est compliqué. L'argent, bien évidemment. Je ne pense pas que non plus en vendant, en vendant les 5 royaumes, tu, tu, roules, tu roules sur l'or non plus. Je ne pense pas qu'on qu en soit à ce point-là. Dernier jeu dont on va parler aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'il est 14h, donc on arrive tranquillement à la fin de ce live. C'est Chat de poche. Encore une fois, un jeu à deux. C'est le quatrième jeu à deux dont je vous parle aujourd'hui. Un jeu d'Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier, illustré par Jonathan Aucomte chez les Lumberjacks. C'est pareil le premier jeu d'une gamme qui lance. Alors, je sais pas si c'est le premier qui sortira ou le deuxième. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Solstice qui va sortir dans cette gamme, qui sera un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras. Normalement, Solstice, je vous en parle peut-être la semaine prochaine. Enfin, je dis... On est censé recevoir une boîte bientôt. Donc, si jamais, euh, si jamais vous, j'en parlerai bientôt sur la semaine prochaine. Effectivement, c'est sur BGA. Euh, sur BGA euh, en bêta, je crois, pour l'instant. Effectivement, ouais, je, suis team, je suis team chien aussi. Il y a beau avoir que des chats. Ça reste quand même très mignon. Enfin, non, il y a quelques chiens, mais sont... ce n'est pas les plus, jolis, les plus jolis du jeu. Ah, mais voilà, pourquoi on parle d'autant de jeux à deux C'est parce que c'est à Saint-Valentin. Merci, <laughs> merci, Ironade Frog. Euh, tu, me, tu me donnes un, une bonne raison de, de, de parler, de, parler de, de ces jeux à deux. Donc, c'est un jeu à deux. Alors, petit disclaimer, effectivement, Alexandre Aguilar, c'est quelqu'un qu'on quelqu qu connaît. Romarin Gallonnet, c'est quelqu'un qu'on connaît. Euh, c'est pas pour autant que, forcément, on apprécie tous leurs jeux. Et pas pour ça que, si je dis du bien ou du mal d'un jeu, c'est assez décorrélé du fait que je, connais les, que je connais les personnes derrière. Et encore une fois, on démarre, euh, on démarre un, la présentation d'un jeu, on démarre par un saut de biche. J'en profite pour dire que j'ai oublié complètement de vous donner mon avis sur Elaboa. Ce sera pour juste après. Comme ça, ça force les gens à rester un peu. Donc, c'est un jeu qui est prévu de sortir pour le 15 mars, donc le mois prochain, pour une quinzaine d'euros. Euh, et. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à savoir. Donc, c'est un jeu uniquement à deux de tuiles qui va jouer en une dizaine de minutes, dans lequel vous incarnez tous les deux un clan de chats. Je pense que là, ils, sont, ils ont été un peu. Ah, bah oui, ils étaient un peu mal séparés, forcément. Hop Vous incarnez un des sept clans de chats qui est présent ici, et votre but va être de récupérer des proies. Le problème, c'est que dans les tuiles et dans les, dans les personnages qui sont présents sur la table, il y aura aussi des chiens. Les chiens vont chasser les chats et euh, les empêcheront de capturer les proies. Euh, imaginons que moi je joue les chats pizzaiolo et que euh, Baptiste joue les chats super-héros, qui sont quand même sacrément mignons, sauf pas le chef lui il est un peu plus, il est un peu plus badass. Euh, on va prendre donc, nos deux équipes de chats, on va prendre toutes les proies, on va prendre tous les chiens, ce qui devrait faire un total de euh, 25 tuiles. On va, on va mélanger ça, on va le faire à peu près correctement, hein. hop Vraiment, c'est une, une bonne façon de mélanger. Et on va se faire un petit quadrillage de... Alors forcément, je, je pense qu'il va y avoir plein de chats identiques qui se retrouvent les uns à côté des autres, vu que j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Mais on va se faire du coup un petit quadrillage de 5 tuiles par 5 tuiles, euh, de façon à créer la zone de jeu. Hop, j'essaierai d'étaler un petit peu des tuiles tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le, le style graphique du jeu. Il y a notamment un clan de chats qui n'avait pas été illustré par Jonathan au mais par... Euh, et par Gorobeil et un autre qui est illustré par euh, tout simplement euh, Davy Mourier. Voilà, donc il y a des petits euh, des petites gestes à l'intérieur, euh, ce qui n'est pas non plus commun pour le, dans les illustrations de jeu. Euh, et c'est euh, plutôt, plutôt rigolo à noter. Alors vous voyez que je ne je, je, je tiens pas le compte Insta, donc je n'ai pas l'habitude de faire des photos bien alignées avec toutes les cartes correctement. C'est le bazar, mais est, euh, on, est là à la, on est là à la bonne franquette. Le but dans Pocket Cat, dans Chat de Poche, c'est... Euh, donc de capturer des proies, pour ça il va falloir que autour d'une proie je mette des chats, euh, des, des chats de mon équipe pour, euh, pour essayer de, de l'emporter. A mon tour, je prends une tuile qui est face cachée, n'importe laquelle, mettons je peux prendre celle-là, Hop, c'est un chat, en l'occurrence de l'équipe de Baptiste, et je vais devoir échanger sa position. Hop, je prends ma petite aide mémoire, vu que c'est un, euh, un, un chat, je peux l'échanger avec n'importe quelle tuile qui se trouve à une ou deux cases de distance dans la ligne et dans la colonne. En gros, je peux l'échanger avec cette tuile, cette tuile, ces deux tuiles, ou ces deux tuiles. Par exemple, je pourrais dire bah tiens, euh, mon chat ici, il va venir sur le bord. Et je mets une autre tuile face cachée à la place. C'est la bête de jouer, qui va retourner une autre tuile, il va retourner celle-là. Il retourne un chien. Le chien, je peux l'échanger avec n'importe quelle tuile qui se trouve dans la même ligne ou dans la même colonne. Donc il peut aller vraiment lui tout au bout. Euh, par exemple, le chien, il va venir le mettre là. Et on joue comme ça à chacun de nos tours jusqu'à ce que l'intégralité des tuiles soit retournée. Euh, parmi les tuiles, il y, y, y a des proies. Euh, les proies, on peut les, on, peut les, on peut les échanger avec les tuiles qu'il y a autour d'elles. Imaginons qu'on arrive à la fin de partie. Donc, on a joué de façon complètement random, juste on va retourner, on va retourner toutes les tuiles. On va regarder ce qui se passe pour euh, déjà pour tous les chats. On va y arriver, on va y arriver. Hop Les chats, comme je disais, sont chassés par les chiens. Donc, par exemple, ce chien-là. Il va chasser les deux chats qui se trouvent à sa droite et à sa gauche. Donc là, moi, j'avais un chat, un chat à moi qui était là. Il se, retrouve, il se barre, il se retrouve face cachée. Il ne comptera pas. Pareil, ce chien va chasser ce chat et ce chat. Et c'est tout. Les deux autres chiens ne visent pas. Ah si, ce chien-là vise ce chat. Donc ce chat, pareil, est retourné face cachée. Maintenant, on va évaluer pour chaque proie qui est le plus fort. Par exemple, cette proie-là, autour d'elle, il y a deux chats rouges d'une force totale de 9 plus 1, 10, et un chat vert de force 1. Bah, du coup, c'est les rouges qui l'emportent. Les rouges l emportent 5 points. Euh, cette proie, il bah, n'y a que des rouges autour. Du coup, c'est les rouges qui l'emportent. Ça lui fait 4 points, etc. etc. On fait ça du coup, pour toutes les proies du jeu. Il euh, y, y a des proies qui fonctionnent par deux. Par exemple, les deux mouches. Il euh, y en a une qui fait 4, il y en a une qui fait 3. Si jamais la même personne capture les deux, hop, ça fait 3 fois 4. Donc, au lieu de faire 7 points, ça en fait 12. Donc vous avez des fois des petits intérêts à, à, mettre des trucs, euh, à mettre des trucs entre eux. Donc la résolution de partie se fait globalement plutôt euh, comme ça à la fin. On résout les chiens, euh, on regarde combien, combien de points on a marqué, et on regarde du coup qui a gagné la partie. En termes de règles, ça s'arrête quasiment là. Là, je vous, je vous ai présenté en gros le mode simple. Normalement, en fait, chaque famille de chats a un pouvoir spécial. Du genre euh, les, les, les gourmands, donc les, les pizza Eux, quand ils sont en jeu, chaque point qu'ils ont capturé leur fait un point de plus. Et. Le chef, a un pouvoir particulier, euh, il peut attraper les proies qui, lui, qui sont euh, euh, comment dire, Je vais qui sont en diagonale par rapport à lui. Normalement, un chat ne peut ne peut attraper que les proies qui sont de euh, adjacentes à lui de façon orthogonale. Bah lui, il peut aussi capturer en diagonale. Et le, le, le justicier, lui, son pouvoir spécial, notamment, c'est que euh, le chef, au moment où on a terminé la partie, où on va résoudre l'attaque des chiens. Lui il se retrouve, à, il est téléporté au milieu. Donc techniquement ça peut être une position assez intéressante, mais vu que l'adversaire le sait, il va pouvoir essayer de mettre des chiens autour justement pour dire Ah, tu téléportes au milieu, tu sers à rien Donc voilà un petit peu euh, de quoi il va en retourner. effectivement, je maîtrise très très bien euh, la table de 3 et de 4, du moins jusqu'à à peu près ce niveau-là, pas, euh, pas forcément beaucoup plus. Euh, et bien moi j'ai trouvé ça très très bien. Je n'y ai pas encore joué en physique, on a reçu la boîte que justement, euh, que justement cette semaine, mais j'avais pas mal joué sur BGA et euh, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Euh, je, le fait qu'on a cette famille de chats avec à chaque fois des petits pouvoirs spéciaux et euh, la possibilité de changer sa stratégie en fonction de ce, qu a, de ce que notre adversaire va avoir, euh, c'est quelque chose du coup qui est, euh, que, je, que je trouve assez cool. C'est un petit jeu à deux qui va jouer en une dizaine de minutes, donc clairement ça, ça rentre aussi dans moi le, le genre de jeu que je peux bien aimer, euh, style district noir, c'est tout ça, donc euh, on joue un peu sans se prendre la tête, mais quand même on peut réfléchir, mais en l'occurrence... On va des fois chercher à dire, ok vas-y, ce chien-là, je le mets, j'essaie de te bloquer tes chats de côté. Parce que en fait, c'est pas parce qu'on a déplacé une tuile qu'elle ne pourra jamais être déplacée plus tard, hein, parce que là, dans l'exemple que je vous ai fait, je déplaçais qu'avec des tuiles qui étaient, euh, qui étaient comment dire, euh, qui étaient face cachée. Mais imaginons qu'on est en cours de partie, je retourne cette tuile-là. J'ai le droit d'échanger avec cette tuile-là qui est face cachée, enfin qui est, qui est déjà face visible. Donc euh, rien n'est complètement fixe, figé, jusqu'à la fin de la partie, mais il y a quand même... Euh, il y a quand même, on va dire, quelques points de tension qui vont se déclencher pendant la partie. Et en plus, du fait d'avoir euh, ces différentes familles de chats, ça fait que à chaque partie, on euh, ne va pas avoir exactement la, la même chose. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'il y a du contenu dans le jeu qu'on a. Fa... Enfin, on dit qu'il y a. Enfin, je refais ma phrase. Euh, on dit souvent euh, Ah ouais, il y a plein de contenu dans le jeu, il y a plein de variabilités, donc forcément, c'est hyper rejouable, c'est super. Euh, bah, les échecs, techniquement, les parties sont toujours les mêmes. A priori, c'est un jeu qui est plutôt rejouable. Enfin, j'ai je... jamais... jamais beaucoup joué, mais il euh, y a des gens qui en ont fait quand même quelques. Centaines, quelques milliers de parties, donc a priori ça reste quand même rejouable. Il faut surtout avoir l'envie d'aller y rejouer pour justement pouvoir profiter de cette variété de, de mise en place. Et pour moi, c'est un jeu qui, qui, comment dire, qui, se, qui rentre complètement dans, dans cette dans ce catégorie. Le, le fait que le format soit rapide, que des fois on se fait complètement avoir et qu'en plus il y a la possibilité de, de changer la mise en place, bah, ça donne envie d'aller faire une revanche. Comme ce que je disais sur le roi des ribots, on a envie d'y retourner justement pour pouvoir tenter, tenter d'autres choses. Euh, comme j'ai vu, vu que Steve disait ça, le jeu sera animé à l'alchimie. Évidemment, comme les deux auteurs sont de, sont de la région, ils seront présents pour pouvoir faire des dédicaces. Et euh, j'ai cru voir que Gorobei serait là pour, pour dédicacer. Ouais, Gorobay du coup, qui est l'un des, des guests qui illustre le jeu mais euh, qui, a aussi illustré, qui illustre aussi du coup, Solstice, qui va sortir à peu près en même temps, je crois, dans cette, euh, cette collection-là. Effectivement, vous pouvez aller le tester sur BGA pour, pour faire un avis. Je pense que comme le roi des ribots, bah, c'est rigolo à jouer euh, en face-à-face -face avec la personne, justement pour pouvoir un peu euh, essayer de lire un peu dans, dans son jeu. Et, chose à préciser, euh, là je crois qu'on n'a pas encore les précommandes ouvertes sur le site, mais pour le premier tirage du jeu, il y a une faction qui est en bonus. Normalement, il n'y aura que 6 factions dans le jeu. Là, les, les fantominous... Donc les... Hop, on dégage un peu tout ça. Les chats fantomatiques, ne seront présents que dans le premier tirage du jeu. Donc euh, sachez-le, si jamais... Euh, voilà. Je vous en étale quelques-uns. Donc là, cette famille-là de chats, leur pouvoir, c'est que, je, 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 si je me rappelle bien, en fin de partie, leur, leur force individuelle dépend du nombre de, du nombre de chats qui restent. C'est-à-dire que si jamais il y a un chat qui se fait bouffer par un chien, tous les autres vont se retrouver à être, à être un petit peu plus forts. Là vous avez les, 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 les mousquetaires. Hop. Euh, là vous avez les chats gangsters. Pouf. Je les étale un peu tous. Hop. Et là vous avez hop, les espèces de chats euh, Power Rangers qui ont des têtes de con, comme qui dirait. Voilà, voilà. Donc là normalement, vous avez ça. La Wonder Woman des justiciers est trop mignonne. Oui, mais de toute façon, tous les... Euh, tous les chats justiciers, tous les bébés sont trop mignons, mais effectivement, la... la Wonder Woman est trop kiki. De toute façon, globalement, tout le jeu, tout le jeu est très très kiki. Donc en plus d'avoir un, un jeu que moi je trouve plutôt intéressant, vous avez un jeu qui est plutôt joli. Donc au pire des cas, si jamais vous ne l'aimez pas, bah vous pouvez en faire un tableau et l'accrocher chez vous. <laughs> Il y a comme ça plusieurs utilisations possibles. Est-ce que Baptiste, tu avais lancé un sondage pour euh, Chat de Poche euh, Oui, et les gens sont plutôt mitigés, mais il y a très peu de, de votes, donc ce n'est pas ah, forcément non, représentatif. Ok, ok. Donc, euh, mais sinon, c'était euh, voilà, 40%, c'est tout bof, et il ouais. y a quand même 26% de gens qui veulent le, 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 le tester, et 32% qui sont hyper partants pour le tester, okay. mais ça correspond à 25 votes au total, donc ce pas Oui, d'accord, ok. Voilà. Effectivement, il faut penser, faut, faut penser à, le, à, le, à le signaler au moment où c'est lancé. Il faut que j'essaie je, de faire attention à ça. Euh, le prix, ça va coûter 15 euros. 15 euros pour euh, mi-mars. Euh, oui, effectivement, ce sera toujours plus joli que le tableau de ce joue Tu as raison. Euh, mais du coup, si jamais vous êtes mitigé, venez à l'alchimie du jeu et vous pourrez y jouer. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Venez à l'alchimie du jeu, c'est vachement bien. Les 3, 4, 5 mai. Ça arrive bientôt. Hein. bientôt. Profitez-en, euh, profitez essayez de, de vous organiser. Pour venir, vous ne le regretterez pas. Euh, on arrive à la fin de ce live. Avant le classement final, je vais pouvoir donner euh, mon avis sur El Awa. El euh, Awa, ça fait partie du jeu de l'année dernière que j'ai quand même un peu joué. J'ai dû en faire une dizaine de parties, je pense, depuis euh, au global. Euh, je le ressors toujours avec plaisir. Et c'est un jeu pareil où, euh, quand on ne l'avait présenté qu'à l'année dernière, je m'étais dit... C'était à peu près le, la vie que je m'étais dit, vraiment euh, méga blasé, de euh, ça a l'air encore de ressembler euh, au même jeu qu'on qu joue à peu près tout le temps. Et du coup, ça m'avait un, un peu gonflé. Au final, en y jouant, euh, j'ai trouvé, trouvé, euh, trouvé ça bien. Euh, clairement pas mon jeu préféré de l'année. Euh, et surtout, un des trucs que j'avais peur, c'est que j'avais joué sur BGA au début, quand, euh, avant qu'il avant qu sorte en physique. Et euh, du fait de la façon dont on récupère les, les ressources, etc., vu que déjà le calcul pour nous tout seuls, j'avais peur que ce soit pas du tout lisible en, en physique. Et au final, si, c'est pas trop chiant à faire. Je pensais que c'était le cas, et en fait, non, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. Donc ça me... Euh, J'étais enfin, bien surpris. J'étais satisfait, on va dire, de, de ce côté-là. Donc euh, j'ai pris plaisir dessus. Mais euh, j'en ferai pas, pas des caisses. Voilà, euh, un, ce serait, je sais pas moi, un 12, un 12 sur 20, 13 sur 20, quelque chose comme ça. Donc euh, ouais, j'aime bien, mais c'est euh, loin d'être. Enfin, euh, je suis loin de, 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 de le trouver excellent. Voilà pour tout. Je vais ressortir du coup les 5 jeux de la semaine. Ah, ça va être rigolo, ça, avec, avec, avec Flip Circus. Ça va être un peu difficile de le, de le positionner. Alors, donc toi, Baptiste, déjà, parmi les 5. C'est quoi genre, le ou les jeux qui, euh, qui te tentent de jouer ou de rejouer vu que tu as joué au roi des ribos. Bah J'ai joué au roi des ribos, j'ai bien aimé, donc pourquoi pas rejouer au roi des ribos okay. et, euh, et en vrai, ouais, euh, le chat de poche, ça me tente bien aussi, ouais. j'ai bien ouais. envie de tester. Il ouais. euh, faut, faut que je fasse attention parce que sur, pendant un moment il s'appelait Pocket Cat, mais le titre est traduit, il s'appelle Chat de poche, et moi j'aime que les titres des jeux soient traduits. Donc du fait que c'est un peu kitsch, je trouve ça je trouve ça plutôt rigolo. Euh, pareil, je ne sais pas si tu lancer un sondage pour savoir ce qui va hyper le, le plus les gens s'il te plaît euh, pendant ce temps je vais faire euh, je vais faire mon petit classement je pense que le jeu que j'aime le moins c'est clairement ancient terrible things j'ai pu euh, j'ai pu exprimer pourquoi le pourquoi du comment euh, tout à l'heure euh, vraiment j'ai du mal à j'ai du mal à comprendre le pourquoi euh, pourquoi ce jeu en quatrième ce serait flip circus euh, non pas que j'ai trouvé ça mauvais pas du tout. Euh, mais je pense un peu trop euh, prise de tête et un peu trop de surcharge mentale pour moi à l'intérieur du jeu. Tic, 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 tic. Et là, derrière, globalement, il reste trois jeux que j'ai quand même pas mal aimés. Je pense que les 5 royaumes vont en troisième. Potentiellement, il pourrait. Euh, Potentiellement, il pourrait monter dans ce classement. Si jamais je refaisais ce classement un peu plus tard. Avec un peu plus de parties, il pourrait peut-être remonter dedans. Mais pour l'instant, effectivement, je l'ai apprécié sans, sans forcément déborder d'enthousiasme dessus. En deuxième, Le Roi des Ribots. Pour bah, toutes les raisons que j'ai pu dire, vraiment, le, le petit jeu un peu bête, enfin un peu bête, un peu brain, mais on peut vite se faire avoir, qui joue en 2 minutes 30, c'est complètement, complètement quelque chose de, de chouette et de, de recommandable selon moi. Et pour l'instant, Enfin pour l'instant, mon jeu préféré de la semaine, ce sera chat de poche. J'en euh, ai fait, ouais comme je disais, en fait j'en ai, ai fait une dizaine de parties. C'est quand même pas rien, c'est que euh, je l'ai quand même assez aimé pour pouvoir y retourner. Et là, maintenant qu'on l'a en physique ça va encore plus me donner envie d'y aller. Euh, je ne pense pas que ce sera mon jeu préféré de l'année. Par exemple, je suis peut-être un peu moins enthousiaste dessus que ce que j'ai été sur Captain Pip, mais je pense quand même que vous pouvez y aller, vous pouvez y aller et, et complètement aller l'essayer, aller l'acheter et y jouer. Vous, devrez passer, vous devriez passer, je pense, un très bon moment dessus. Euh, si je devais faire une sorte de hiérarchie, je ne spoil pas non plus, parce que normalement, à un moment, je devrais classer justement mes jeux de la semaine au fur et à mesure. Euh, ah ben voilà, je réponds à tes questions avant de les connaître. Ah entre Captain Flip et Chat de Poche, effectivement, je pense que Captain Flip, il est, il est quand même euh, il est quand même au-dessus. Après, il y a, euh, pour euh, pour nuancer ce truc là, j'ai pas encore joué à Chat de Poche en physique. Donc potentiellement les sensations que ça va me procuré en physique ne seront pas les mêmes que ce que j'avais pu faire sur BG. Potentiellement, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent changer, mais je reste quand même euh, plutôt enthousiaste euh, plutôt enthousiaste sur le jeu, voire même euh, très enthousiaste. Voilà voilà. Vous avez toutes ces infos là. Je vais ré récapituler un petit peu euh, les choses à savoir. Ce dimanche sort euh, le top de Baptiste et Tony de leurs jeu narratif leur jeux narratifs préférés, de leurs dix jeux narratifs préférés. Vous avez peut-être pu repérer quelques-uns dans le décor. La semaine prochaine devrait sortir une vidéo un peu plus, per plus, pers plus personnelle, euh, faite par Simon, qui va, être, euh, qui va traiter de, euh, des jeux qui ont marqué, voire même qui ont changé sa vie. Euh, donc ça, ce sera euh, la semaine prochaine, enfin soit ce, ce dimanche. Soit la semaine prochaine sur la chaîne principale. Euh, vous allez avoir qu'est-ce que j'ai qu que encore qu'est-ce que j'ai encore à dire Oui, la semaine prochaine, euh, Baptiste ne sera pas là euh, parce qu'il va être en train de tourner des vidéos chez un monde de jeu et, euh, et où je vais, euh, je vais être accompagné de Tony justement pour ce live. Et la semaine prochaine, pour teaser un peu, normalement, je vous parlerai du coup de Flashback Lucie. Je vous parlerai de Unmatched Adventures, le Unmatched Co-op qui est très très attendu. Quelqu'un euh, se retourne vers moi et me fait un, un pouce comme ça. Peut-être quelqu'un qui aurait joué hier soir, peut-être, ou du moins qui a prévu euh, qui a prévu d'y jouer bientôt. J'ai pu en faire une partie pour l'instant, mais je vais, je vais y rejouer normalement dans la semaine pour euh, me faire un peu de un meilleur avis euh, un meilleur avis dessus. Et, euh, et voilà, il y aura, -il, il y aura sûrement d'autres jeux. Normalement, le but c'est d'en faire cinq. Donc je vais les trouver d'ici la semaine prochaine et on verra ça. Euh, Baptiste, ne, comment dire, est toujours crédité pour le système de jeu avec Marc-Antoine sur Flashback Lucy mais ce n'est pas lui qui a écrit les scénarios. Est-ce que c'est bien ça et que j'ai pas dit de bêtises Oui, pour Lucie oui, pour la suite c'est moi. Ah, il y a une suite Bah oui oui, pour la suite qui arrivera dans un an. OK, un, mais la version adulte. Comment ça Un <laughs> jeu pour enfants, la version adulte Ah, la bah, version euh, oui, la version plus euh, scénario un peu plus Tarantino les choses comme ça donc clairement plus pour adultes. OK, OK. Donc ça ce sera, euh, ce sera pour euh, plus tard. On vous fait des bisous. Ah non, le sondage le n'est sondage pas encore terminé. Potentiellement, je pense que les gens ont déjà... Ont déjà. oui, fini mais c'est le roi des ribots qui arrive en tête avec okay. 46%, suivi de chat de poche juste derrière avec 36%. Et après, Flip Circus, Flip -Circus et 5 royaumes se partagent, et alors que enchaîne Terrible Singh euh, trône très haut avec un 0%. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Non, mais ok, on, on a à peu près les mêmes avis, mais cette fois, le, le classement du chat n'est pas exactement le même que le mien. C'est bien que je vous présente des choses, mais que vous ne me croyez pas... Euh, Enfin, que vous ne croyez pas seulement mon ressenti ou mon classement, que vous, que vous ayez aussi euh, votre propre euh, comment sensibilité qui rentre, qui rentre dans le jeu. Euh, ah, est-ce que, est que tu vas faire un live Twitch avec, euh, avec un monde de jeu Aucune idée. Ok. Ça dépend, ça si, dépend si, si je me réveille. À... C'est vrai, si tu es debout le matin. Mais pourquoi pas, en vrai, mmh. s'ils si continuent leur, leur, leur matinale la semaine prochaine, euh, peut-être. Je ne sais ouais. pas du tout. En vrai, euh, on n'en a pas discuté, donc mmh. euh, peut-être. Ouais, J'ai l'impression que des fois, le, comment ça s'appelle le, 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 le planning peut changer selon les, les opportunités. Ouais, ce serait ça le se mardi matin, donc je ne sais pas s'ils ont un truc spécial le lundi matin, on verra bien. Suspense, vous, vous le saurez bientôt. Merci encore à vous d'être venus. On, on vous envoie chez Maïludo bah comme, comme chaque semaine. Allez. On, fait un, on va faire un petit tour chez Maïludo, vous pouvez leur faire un petit coucou. Merci à tous. Des bisous. Salut. Pouf.